Ben, ça s'est passé assez bas parce que j'ai été en urgence. À vrai dire, j'étais très sportif. J'aurais eu l'idée d'avoir cette idée-là parce que j'étais avec des jeunes, beaucoup plus jeunes, et puis je tenais bien la route, quoi. Et d'un seul coup, toutes les longueurs que je faisais, Vous faisiez de la en natation? 2013, juste un an avant, en 2013, à partir de janvier, je commençais quelquefois à avoir de la peine à faire mes longueurs. Disons que la difficulté à faire mes longueurs a été surtout la fin de l'année, quoi, jusqu'au mois de juin. C'était de plus en plus difficile. Alors j'ai eu un scanner, puis on m'a dit que j'avais de l'eau dans les poumons, que j'avais tout ça, qu'il y avait quelque chose qu'à l'époque, le cœur, il y avait quelque chose qu'il fallait que je voie avec mon Cardiologue. cardiologue. J'étais voir le cardiologue, qui me connaissait déjà depuis pas mal de temps, mais pas pour des choses particulières. Surtout pour Enfin bon, des anesthésies ou tout ça, quoi. ah bon, donc oui, c'est ça. Enfin bon, en tous les cas, il m'a regardé, il m'a dit, oh, vous êtes sportif, vous fumez pas, buvez pas, je crois pas du tout que vous puissiez avoir quelque chose de dangereux au cœur. Bon, on va faire un contrôle avec, alors là, une échographie complète de tout ça, qui a été faite et qui était très très bien faite. Ils sont tout vus, quoi. Ils sont tout vus, sauf que j'avais cette maladie-là. Parce qu'ils ne l'ont pas diagnostiqué. Il en avait jamais vu, à mon avis. Non. Voilà. Il en avait jamais vu. Le traitement, je l'ai eu que en 14, en février, parce que il y a eu l'autorisation de le faire que à la fin de l'année, pratiquement. Il a eu un traitement pour insuffisance cardiaque en attendant. Ah oui, les traitements habituels d'insuffisance cardiaque, mais rien de. Et puis il a été un peu plus loin pour savoir si c'était Des biopsies. effectivement, comme vous dites, sauvage, ou et pas simplement que c'est dit, mais bon, mais pas le reste, quoi. Et Vérifier si c'était tout, on a génétique. fait ces Oui, c'est ça. vérifications, et donc là, je suis parti, paf, avec son traitement. Voilà, donc ça a commencé en 14, et jusqu'à pas tant où j'ai pas arrêté un seul instant. Je me sentais mieux de toute façon parce que j'étais soigné à la fois pour le cœur et en même temps avec les diurétiques, où il y en avait, tout compte fait, il n'y en avait pas beaucoup à cette époque. Ça marchait bien, quoi. Donc, puis j'avais des conditions physiques de base qui étaient tellement bonne qu'il n'y avait pas de raison. Ma seule difficulté, c'était la marche, parce que j'avais les rotules. J'avais absolument des ménisques qui étaient complètement fichus. Ça s'est déroulé comme ça. Avec des hauts et des bas, forcément. J'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur. Comme c'était en aveugle, ce truc-là, je pouvais aussi bien ne rien avoir. Et même ou avoir un peu quelque chose, mais pas tout. J'ai eu vraiment un coup de peau, quoi. Et depuis, ça a marché. Ben, je crois qu'il faut bien suivre les prescriptions de la faculté, quoi, du docteur, quoi, parce que franchement, c'est important. Et puis d'essayer effectivement de rester en mouvement, quoi. Les premiers symptômes ont commencé à se manifester à la fin de la première décennie du siècle, hein, dans les années 2007, 2008, 2009. Symptômes extrêmement divers, et même si rétrospectivement, le professeur d'amis, comme dans les jeux d'enfants, vous savez, où on relie des points et ça fait apparaître une tête de lion ou une tête d'éléphant,
Même si en reliant rétrospectivement tous ces symptômes, le tableau complet des symptômes dessine avec évidence rétrospective une amylose. Sur le coup, ça a été traité séparément, ces symptômes ont été analysés séparément. Et comme à chacun, on arrivait à trouver, ou pas d'ailleurs, une explication. Ils ont cherché, ils ont fait un tilt test, ils ont fait toute une série d'analyses. Et puis, j'avais plein de problèmes articulaires. Pratiquement tous les doigts des mains, j'avais des tendinites nodulaires qui fait que j'avais des mains comme des griffes. Des douleurs très intenses et continues, chroniques, dans les deux nerfs sciatiques. Et en faisant l'IRM du canal médullaire, il s'est aperçu, le rhumatologue, et il l'a tout de suite référé au professeur Dhamy. J'ai une amylose à transthyrétine qui s'est déjà traduite par des tendinites nodulaires à tous les doigts, par les deux canaux carpiens, par des problèmes aux articulations des épaules. Ben, il m'a dit, ben, malheureusement, vous avez un problème de type canal carpien dans la lombaire 5 et la lombaire 6, où les ligaments jaunes se sont épaissis, ont grossi, et pincent la racine du nerf sciatique. Voilà, donc. Ce qui est certain, c'est que, en tout cas maintenant, on a rétrospectivement une explication cohérente à toute une série de symptômes. J'avais toute une série de petites perturbations dont aucune prise individuellement ne m'avait inquiété. Et n'avait d'ailleurs inquiété, n'inquiétait pas les médecins qui me suivaient. Mais comme personne n'avait relié les différents symptômes jusqu'au professeur Dhamy. Et j'ai eu la chance d'avoir un cardiologue en ville qui est aussi un cher et vieil ami, qui est le docteur Rumani, Jean-Yves Rumani, qui lui a observé, qui me suit régulièrement sur le plan cardiologique, et qui a observé, ça devait être à l'automne 2019, en faisant l'échographie annuelle qu'il pratique sur mon. Il faisait tous les ans une échographie et un électrocardiogramme. Il a observé un épaississement du myocarde et des petits dérèglements dans le fonctionnement du cœur qui l'ont. Alors, comme il avait entendu, je crois, une conférence du professeur Dhamy peu de temps auparavant, ou que, non plus exactement, un de ses patients avait été envoyé au professeur Dhamy qui avait diagnostiqué une amylose. Il a fait faire à l'Américain une scintigraphie qui a mis en évidence, alors là pour le coup de façon complètement indiscutable, la présence déjà assez significative, assez visible et même assez importante de fibrilles amyloïdes dans le myocarde. Depuis que j'ai rencontré le professeur Dhamy et depuis qu'il a lancé le traitement d'Adakel, j'ai trouvé formidable le suivi qui est fait au service de cardiologie de Mondor. Formidable. Alors, en tant que neurologue, me revient l'honneur de conclure cette petite partie cardiologique que j'ai trouvée évidemment très intéressante. Et en tout cas, je peux témoigner en neurologie des traitements par silençage génétique, effectivement, de ces difficultés qu'on peut avoir de trouver un hôpital de jour ou une infirmière à domicile pour faire ses perfusions et ses piqûres. Donc, bienvenue bientôt dans ce combat et félicitations pour tout ce que vous avez fait sur ces 10 dernières années.